vous mettez debout déjà pour commencer et on va travailler avec peut-être un mur ou un support si vous en avez le besoin. Il se peut que vous n'en ayez pas besoin, mais par expérience, je sais qu'on en a besoin. Alors, première chose, vous allez déjà réchauffer vos pieds. Je vais enlever mes lunettes, ce sera mieux. On réchauffe les pieds, on bouge sur les articulations des orteils, jusqu'au talon, continuez. On bouge, on articule, on réchauffe les orteils, les chevilles, les genoux et les hanches. On va placer les mains sur les hanches. Et puis là, on va juste bouger le bassin, comme si on dansait. On bouge le bassin comme si on dansait. Continuez à rouler des orteils au talon. Bougez votre bassin, bougez la taille. Encore. Voilà, vous allez maintenant bouger les épaules et puis la tête. Un petit échauffement, ça ne fait pas de mal. Épaules et tête. Continuez. On laisse aller le bassin à droite et à gauche. On fléchit les jambes. Encore. Vous allez sentir ici que ça bouge dans le bas du dos, c'est normal. On continue. Tranquillement. Voilà. Et maintenant, on va emmener un bras, puis l'autre bras. Tu inspires, tu expires. Prends le temps d'ajuster ta respiration. On continue. Encore. Encore. Voilà. Encore, vous allez avoir vite chaud, vite chaud, on continue, et un pull, un, on continue, hop, un bras, bras, et on va aller maintenant sur les côtés, donc on laisse aller complètement, regarde à droite, regarde à gauche, tu bascules le poids du corps sur un côté puis sur l'autre côté, laisse aller, laisse aller sur un pied, sur l'autre pied. Continue, continue, continue. On laisse aller sur un pied, sur l'autre pied. Voilà. Et on va accentuer au niveau de la hanche. On laisse aller. Encore. Ça réchauffe, hein? Et puis là, on va mobiliser la colonne vertébrale. Donc, je me mets sur le côté, tu inspires, tu grandis et tu bascules le bassin sur l'avant. Donc, tu peux mettre tes mains sur la tête si tu veux. Et là, on fléchit les jambes, on creuse le dos, là, on retraverse le bassin. Inspire en haut, expire, descend. Et encore. Donc, on va maintenant faire avec les bras. Inspire. Encore, expire en descendant. Encore, 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 et on relâche. Marche tranquillement. Vous avez les pieds largeur du bassin, plus que la largeur du bassin, et vous placez les mains sur les hanches. On va bouger à droite et à gauche, seulement à droite et à gauche. Laissez faire le poids du corps sur un côté, sur l'autre côté. Vous ramenez le bassin au centre et ici, vous descendez vos bras le long du buste. On va incliner sur un côté puis sur l'autre côté sans bouger le bassin. D'accord? Le bassin ne bouge pas du tout, du tout, du tout. Souffle, souffle, souffle en descendant, souffle en descendant. Et ta respiration se fait naturellement quand tu reviens au centre, tu inspires. Continue, on descend. Donc là, le bassin ne bouge absolument pas, hein. C'est bloqué ici, ça ne bouge pas. On contracte dans le ventre, dans le périnée, et on laisse descendre le buste sur les côtés, à droite et à gauche. Encore, encore. La taille, ce n'est pas facile à travailler, il faut un peu de temps. Relâchez bien les bras, relâchez bien les épaules, laissez descendre les mains vers les pieds, continuez, continuez tranquillement. Tranquillement. Vous allez sentir que ça chauffe. Serrez les fessiers, contractez dans le périnée et poussez bien le nombril vers la colonne. On continue. Tranquillement. Allez. Vous souriez, hein? Je vais vous voir sourire.
Encore. On allonge. Encore un peu. Et là, on va rester à droite, penché à droite. La main droite vers le genou droit. On reste et on va monter le bras gauche. Donc là, on va étirer dans la taille que vous sentez. Étirez, le bassin n'a pas bougé. Puis vous revenez. Pareil de l'autre côté. Descends sur ta gauche. Le bassin ne bouge pas. Et on monte le bras droit. Étirez dans la taille. Inspirez. Et expirez, revenez tranquillement. Et à nouveau, on bouge sur le côté, à droite et à gauche. Souffle, 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 souffle. Encore. Contractez dans le ventre et dans le périnée. Encore. À nouveau, on va rester à droite. On bloque à droite, le bassin ne bouge pas. Et on monte le bras. Étirez dans votre taille à gauche. Inspirez. Et expirez, revenez. La même chose de l'autre côté. Laisse descendre sur la gauche. Et monte le bras droit. Le bassin n'a toujours pas bougé. Inspirez. Étirez bien. Et expirez, revenez. Ici, on va juste sans bouger les jambes et sans bouger le bassin, on fléchit un peu sur les jambes, un petit peu. Et là, on va faire des rotations sur la droite et sur la gauche. Tranquillement. Inspire, expire. Ne bougez pas le bassin. Contractez dans le périnée, contractez dans les fessiers. Ne bougez pas du tout les hanches, ne bougez pas du tout les jambes. Continuez tranquillement. Encore. Soufflez bien, gardez bien les pieds dans le sol, gardez bien le bassin au centre, ne bougez pas vos jambes, ne bougez pas le bas du dos, du tout. Ça se passe au niveau du nombril, ça tourne au niveau du nombril et au-dessous, ça ne bouge pas. Encore. Ok, on va rester sur la gauche. Donc les deux jambes sont tendues maintenant. Et là, je vais me mettre de profil. Les deux jambes sont tendues ici et tu regardes à gauche. Donc, tu mets ta main droite sur la hanche gauche, tu mets ta main gauche à côté de la main droite et tu regardes derrière toi. Contracté dans le périnée, étiré. Vous allez ici monter le bras droit vers le ciel, grandissez et vous inclinez vers la gauche. Étiré. Inspirez, revenez. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc là, je tourne sur ma droite. Je mets mes deux mains sur la hanche, à droite. Et je tourne, je regarde en arrière. Mes hanches n'ont pas bougé. Le bassin est bien au centre de mes deux pieds. Je tourne sur l'arrière. Inspire. Expire, contractez bien dans le périnée. Les deux hanches sont bien toutes les deux de face. Tu montes le bras gauche. Et tu inclines vers la droite. Étirez. Expirez et revenez tranquillement. Vous placez vos deux mains sur un support, soit sur un dossier de chaise, soit sur un mur. Et ici, on va faire travailler nos chevilles, nos jambes et nos fessiers. Donc pour le moment, je déroule pied droit, pied gauche. Les pieds sont largeur du bassin. Je contracte le périnée, je me déplace sur un pied puis sur l'autre pied. Là, c'est l'échauffement. Respirez tranquillement. Tranquillement. Voilà, les deux pieds ensemble maintenant. Rapprochez vos deux pieds. Et là, on va monter et on va descendre assez rapidement. J'inspire, je monte, j'expire, je descends. On va faire ça 30 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et tu marches, marche. Libère les jambes, libère dans les mollets. Respire tranquillement.
La ligne. Attention, on va repartir ensemble 30 fois à nouveau. Je prends appui quelque part. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Serrez les fessiers. 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et tu marches. Déverrouille. 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 Encore. Voilà. On va recommencer encore 30 fois. Les pieds, largeur du bassin cette fois-ci. Je monte sur mes pointes de pied, mais j'ouvre légèrement mes deux pieds. Un peu en canard. D'accord ? Pareil, vous serrez les fessiers et on va monter 30 fois, assez rapidement. Inspire, monte, expire, descend. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et tu marches. Déverrouille. Déverrouille. Ok. Ça va? Bien. Donc, je prends un peu plus d'espace. Vous me placez les mains sur vos hanches. Et là, on monte, jambe droite, jambe gauche. On bascule complètement le poids du corps, évidemment, sur la jambe d'appui. Montez pas trop haut si vous sentez que vous avez mal dans les hanches. Et si vous avez mal dans les hanches, emmenez la jambe un peu plus sur l'avant. Soufflez bien. Encore. Encore. Donc pour le moment, on ne penche pas le buste sur le côté. Ça va venir. On réchauffe d'abord dans les hanches. Encore. Allez, encore. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, et la dernière. Et tu poses. Vous allez maintenant monter la jambe, mais en même temps incliner le buste sur le côté. Alors, si vous avez peur de tomber, et on va y aller progressivement. Première, tu descends. 1 et 2. On tend la jambe en même temps que l'on monte, d'accord? Ici, vous serrez bien dans votre ventre. Vous soufflez bien. Vous donnez comme un coup de pied en poussant dans le talon. Et encore. Pareil, si vous avez mal dans les hanches, laissez votre jambe plutôt sur l'avant, comme ça, d'accord? Soufflez bien et inclinez bien. Et encore. Laissez aller le buste sur le côté le plus possible. Continuez de bien respirer. Ouais. Encore. Allez, encore un peu. Mettez les mains sur les hanches. Ouais. Comme ça, vous sentez ce qui se passe sous vos mains. Non ? Encore un peu. Allez, vous sentez ce qui se passe là, sous vos mains ? Ouais. Allez, le buste se penche. Le buste se penche. C'est important pour la taille. Encore. Allez, encore un peu. Soufflez bien.
5, 6, 7, 8, 9, et descend, reviens. Relâchez, soufflez, inspirez, montez vos bras, étirez, inclinez sur un côté, inspire, reviens, incline de l'autre côté, et tu reviens, tu relâches tes deux bras. Alors, on va maintenant passer au sol et on va travailler nos jambes et nos abdominaux. Vous faites comme c'est bien pour vous, ne forcez pas, d'accord? On force un peu, bien sûr, hein, mais on reste OK avec notre corps. Alors, ici, on va faire le petit vélo. Donc, je place mes deux genoux sur la poitrine, mes deux mains sous le bombé de mon crâne, ici, et je vais soulever. Donc, je vais aller sur la droite et sur la gauche. Jambes fléchies, ici. Ça, c'est pour la préparation. Souffle, 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 souffle. Tu souffles à chaque fois que tu montes vers le genou, d'accord? Tu gardes bien le bas du dos dans le sol, évidemment. Et tu contractes dans le ventre et dans le périnée. OK? Maintenant, on va allonger une jambe puis l'autre jambe pour croiser. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sans les jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Avec les jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sans les jambes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et tu relâches. Pose la tête, les pieds au sol, allonge tes jambes. Emmène tes deux bras en arrière et tu t'étires. Grandis. Encore inspire. Creuse le dos et expire, tu ramènes, tu t'étires. Je ramène mes deux genoux sur la poitrine et je viens placer mes mains sous mes fessiers. On va travailler ici les jambes et les abdominaux. Menton rentré dans la gorge pour allonger la colonne cervicale. Je vais aussi en même temps fléchir et pointer mes pieds pendant que je vais travailler cela. Je souffle, je reviens. Donc assez rapidement, d'accord? Bas du dos bien dans le sol. Des grands ciseaux, des grands battements. Gardez bien le bas du dos dans le sol. Contractez bien dans le périnée. Poussez bien le nombril vers la colonne. On va en faire une certaine quantité. Donc, pointez vos pieds, fléchissez vos pieds. Tu pointes en descendant, tu fléchis en remontant. Et vous gardez bien le bas du dos dans le sol. Vous respirez naturellement comme ça vient. Hein, ne forcez pas. Essayez... On est dans le renforcement musculaire, donc on laisse aller le souffle. Faites vraiment comme c'est bien pour vous et vous continuez de pointer les pieds et de fléchir les pieds. Allez, on continue. Encore. Soufflez avec la bouche, inspirez comme vous voulez. Ici, on a besoin d'évacuer les toxines. Allez, encore. On va finir en maillot de bain, je vous le dis. Et encore. Soufflez bien, contractez bien dans le périnée, poussez bien le nombril vers la colonne. Ça, c'est important aussi. Et le bas du dos ne se décolle pas du sol, jamais. On continue. 10, 9, 8, 7, 6. 5, 4, 3, 2, et le dernier, tu ramènes les jambes, tu viens placer tes mains sur les genoux, et là, tu masses le dos en roulant à droite et à gauche, tranquillement. OK, on va passer maintenant sur les abdominaux taille, ici, et après, vous verrez, on va faire un autre tour, hein.
J'ai loin d'avoir expérimenté toutes mes capacités. Donc, on fléchit nos jambes et on va rouler sur le côté pour avoir le bassin perpendiculaire au sol. Ici, je place ma tête au sol. Donc, j'ai le buste qui est plutôt vers le plafond et je viens placer mes deux mains sous ma tête. Sous la tête, les deux mains, bassin perpendiculaire au sol. Gardez vos pieds ensemble, gardez vos genoux ensemble tant que c'est possible. Inspire au sol, expire en montant. Donc, on va faire 20 fois de suite. Contractez fort dans le périnée, vraiment, et poussez bien le nombril vers la colonne pour que le bas du dos ne bouge pas. J'y vais, inspire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, reste en haut, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, reste en haut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, reste en haut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et tu poses. Inspirez, emmenez vos bras en arrière et ramenez vos deux genoux. Vos deux genoux, vos deux pieds, étirez vos deux bras loin en arrière. Et là, évidemment, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, de l'autre côté, c'est pareil. Vous placez bien vos deux genoux ensemble, vos deux pieds ensemble. Et on essaye de maintenir le bassin perpendiculaire au sol. Je place mes deux mains sous ma tête. Je tourne mon buste vers le plafond. Et là, je sais ce qui va se passer maintenant. Inspire au sol. Serre dans ton ventre, contracte dans le périnée. Très fort, gardez bien vos deux genoux ensemble. Inspire. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Reste en haut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, reste en haut le plus haut possible. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on repart. Souffle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, reste en haut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et encore 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, reste en haut bloc, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et tu relâches. Inspirez, emmenez vos deux bras en arrière pour étirer dans tout le dos, puis ramenez vos deux bras, ramenez pied droit, pied gauche, genou droit, genou gauche. Soulevez les fessiers pour bien vous positionner. Restez sur le bas du dos. Ramenez les deux genoux ensemble. Les deux mains, les deux coudes attrapent les deux genoux et gardez bien tout le dos dans le sol. Bougez vers la droite et vers la gauche pour masser le bas de votre dos. Respirez tranquillement. Tranquillement. OK. Revenez les deux pieds au sol, bien à plat. Relâchez dans vos épaules. Ici, vous soulevez légèrement les fessiers. Pour bien rétroverser votre bassin, bien rétroversé, et vous recollez le bas du dos dans le sol, là, vertèbre après vertèbre, tranquillement. Vous relâchez les deux bras. Ici, on va prendre appui sur les deux pieds et on va doucement monter le bassin vers le plafond. J'inspire en montant, j'expire en descendant, puisqu'on n'est pas dans le pilates. Ici, donc tranquillement. Les bras au sol ou les mains sur le ventre, c'est parti. 1,
Je monte le plus haut possible, je serre les fessiers et je redescends dans le sol en soufflant. 1, 2, inspire, expire. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On va rester en haut. Maintien en haut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Reste en haut. Tout petit mouvement vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Reste en haut bloc. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Et tu relâches. Ok, ramenez les deux genoux sur la poitrine. Les deux mains sur les deux genoux. Roulez sur la droite et sur la gauche pour masser le bas de votre dos. On respire tranquillement ici. Et maintenant, on va faire des cercles avec les deux genoux au-dessus du bassin. Vous massez bien le bas du dos, fessiers. Et on change de sens. Corps. Ok, bien, alors, on va se positionner en quadrupédie, ici, et on pourra se mettre soit sur les mains, soit sur les coudes, pour les personnes qui ont les poignets fragiles. Donc, quadrupédie, pour travailler et les jambes, et les fessiers. C'est parti. Donc ici, moi je me mets sur les deux mains, mais on peut tout à fait se mettre sur les coudes, et on peut changer aussi en cours de route. Rien n'est figé, tout est possible. Donc là, je vais alterner jambe droite et jambe gauche en montant la jambe droite pas plus haut que le dos. D'accord ? Donc, en fait, on va travailler sur la jambe droite et après sur la jambe gauche. On fait 10 à droite, 10 à gauche. 8 à droite, 8 à gauche. 6 à droite, 6 à gauche. 4 à droite, 4 à gauche. 2 à droite, 2 à gauche. Et après, on alterne. Ok ? C'est parti ! Inspire. Allez, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on change. 1, 2, ramène bien le genou. 3, 4, le dos ne bouge pas. 5, 6, 7, contracte bien dans le périnée. 8, 9, 10, on change de jambe 8 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Change de jambe. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Change de jambe. 6, 7. 4, 3, 2, 1, change les jambes. 6, 5, 4, 3, 2, 1, change de jambes. 4, 3, 2, 1, tu changes. 4, 3, 2, 1, tu changes. 2, 1, tu changes. 2, 1, et on alterne. Soufflez bien. Allez jusqu'au bout de votre mouvement. La jambe ne dépasse pas la hauteur du dos et vous ne bougez pas votre dos. Attention, on va repartir en ordre recroissant.
On va faire deux à droite. Un, deux. Deux à gauche. Un, deux. Quatre à droite. Un, deux, trois, quatre. Quatre à gauche. Un, deux, trois, quatre. Six à droite. Un, deux, trois, quatre, cinq, six à gauche. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, huit à droite. Un, trois, quatre, cinq, six, sept, huit à gauche. Huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, dix à droite. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix à gauche. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf et dix. Waouh! Ici, vous placez les orteils dans le sol et vous étirez pour le dos. Soufflez. Laissez descendre la colonne sacrée vers le sol. Encore, soufflez. Et on inspire, on revient tranquillement en quadrupédie. Et puis, on va emmener le genou gauche sur l'avant. On vient s'asseoir sur la fesse gauche. Je pose mon coude sur un coussin ou sur le tapis, selon comment c'est bien pour moi. Et là, je vais monter ma jambe à droite. La jambe du dessous reste fléchie. Et là, eh bien, nous allons faire quelques remontées et ensuite quelques cercles. Vous allez voir un vrai bonheur. Je monte ma jambe parallèle au sol. Et ici, des tout petits battements. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tu bloques. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, je pose. Ressentez ce qui se passe et on va tout de suite remonter cette même jambe ici et on va faire des flexions-extensions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tu restes. Vous devez sentir que ça chauffe, hein. Ok, ramenez le genou, posez le genou sur l'autre. On va passer tout de suite de l'autre côté, puis on reviendra après sur ce côté-là. Donc, je passe de l'autre côté. Vous avez bien aimé les petits battements? Le coude sur le coussin ou bien au sol, comme c'est bien pour vous. Ici, j'évite de m'affaisser sur mon épaule. Voilà, la position n'est pas forcément idéale pour l'épaule. Donc, je vais monter ma jambe gauche, ici. Voilà, et je vais faire des petits battements. Donc, les personnes qui ont des soucis avec les hanches, n'hésitez pas à avancer un petit peu votre jambe. D'accord? Un petit peu sur l'avant. Je monte ma jambe parallèle au sol. C'est parti, 50 petits battements. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9. Encore. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tu bloques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je ramène. Je fléchis ma jambe, je pose un peu au sol. Donc là, ça va être flexion-extension. On va faire 20 fois et on restera en statique pendant 10 temps. Allez, c'est parti pour flexion-extension. Positionnez-vous bien. Vous gardez bien le périnée serré et vous poussez bien le nombril vers la colonne. On y va, courage. 1, 2, fléchis, allonge, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, encore, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et là, on bloque. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et tu ramènes. On fléchit les deux jambes. On va repasser de l'autre côté. Ici. Ah ben oui, hein. Allez, on appuie sur le petit coussin ou au sol. On allonge peut-être un petit peu plus comme c'est bien pour vous. Donc avec cette jambe qui va se soulever parallèle au sol, ici on va faire 10 grands cercles dans un sens et 10 grands cercles de l'autre sens. D'accord ? N'hésite pas à placer ta main devant pour t'assurer que le bassin reste bien perpendiculaire au sol et vous respirez comme ça vient sans forcer. On y va. 1, 2, 3. 4, n'oubliez pas de sourire. 5, 6, bassin immobile. 7, 8, 9, 10, on reste en haut. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Je change de sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je reste en haut, 10, 9, 8, 7, tendez bien la jambe, 5, 4, 3, 2, et tu relâches. Ok, posez vos deux genoux. Tout de suite, on passe de l'autre côté pour que ce soit bien symétrique. Sinon, on aura une fesse plus grosse que l'autre. Quand je dis plus grosse, c'est une façon de parler, plus musclée que l'autre. Ce sera mieux adapté. Donc, mes deux genoux sont fléchis. Je prends bien appui sur mon coussin. Pourquoi pas en profiter. Hein, j'allonge ma jambe parallèle au sol. Et c'est parti. Donc, on y va. J'inspire. Grand cercle. Dans un sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, je reste en haut. Quand vous faites ça, vous contractez bien dans le périnée hein, et vous vous assurez que le bassin ne bouge pas. C'est pour ça que je mets ma main ici devant, comme ça je suis sûre que ça ne bouge pas. On change de sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
en restant haut le plus haut possible. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et je relâche. Fléchis la jambe, pose les deux genoux ensemble. Donc ici, on va se mettre sur le ventre. Sur le ventre pour travailler et notre dos et nos fessiers aussi. Donc je mets mon petit coussin un petit peu plus loin. Je suis sur le ventre. Ah, avant d'aller sur le ventre totalement, on va travailler notre gainage. Donc vous allez retourner vos orteils contre le tapis. Vous restez sur les coudes. Et là, on soulève tout le corps. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et tu descends. Inspirez, on va faire ça trois fois de suite. Prenez le temps, une bonne respiration. On recommence dans la planche, c'est parti. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tu descends. Inspirez, expirez, et on repart pour un gainage de 10 secondes. Ici, les coudes bien sous les épaules, inspire et on soulève. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et tu poses. Relâchez, emmenez vos bras devant. Les mains forment un petit coussinet sur lequel vous posez votre tête. Relâchez vos épaules, relâchez vos bras, relâchez dans la nuque en roulant sur le front. Tranquillement. Ok. Donc, je vous ai parlé des fessiers, je vous ai parlé des jambes. Ici, on va bien rétroverser notre bassin tout le temps. On pourra mettre un petit coussin pour soutenir notre front et garder nos mains devant pour le moment. On rétroverse le bassin, on descend les épaules, on contracte dans le périnée. C'est comme si on abaissait le sacrum vers le sol. Et là, je vais monter tour à tour la jambe droite, puis la jambe gauche. Il est évident qu'il ne faut pas monter trop haut, ça ne sert à rien. Si on monte trop haut, on va se faire mal dans le bas du dos. Ce n'est pas le but recherché. Ici, préférez rétroverser le bassin et absorber le nombril comme si vous vouliez soulever le nombril du sol. C'est parti. On alterne droite et gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Encore. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. La dernière, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, tu relâches. Relâche les fessiers. Montez la jambe gauche, restez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, relâche. Montez la jambe droite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et relâchez totalement les deux jambes. Ici, vous allez ouvrir vos deux jambes. Vous allez écarter vos deux jambes. Hop, on écarte les deux jambes. Et on va ramener les deux pieds ensemble. Donc, les deux pieds sont ensemble, genoux écartés. Alors, je vais vous montrer le mouvement. Je pose le front sur un coussin. Ici, je rétroverse bien mon bassin.
vraiment, vraiment, et je vais monter mes genoux. Donc, ne montez pas trop haut, ça ne sert à rien. Vous pouvez aussi, si vous voulez, placer les mains sous vos hanches pour vraiment bien retraverser le bassin. Ici, on travaille vraiment sur les fessiers, mais aussi le bas du dos risque d'être sollicité. Donc, rétroverser le bassin au maximum. Et on y va, on va monter. Donc, moi, ce que je fais, une petite astuce de prof de sport, je fais ça. Je fais ça avec mes index et pouces. Et je place le creux sur l'os de la hanche, d'accord, de chaque côté. Ce qui fait que ça maintient bien. Et en plus, je rétroverse bien, bien, bien mon bassin. Et plus tu vas rétroverser ton bassin, et plus tu vas contracter les fessiers. On y va, c'est parti. Le front, donc soit les mains devant, soit les mains sous vos hanches, ici. Rétroversez beaucoup, beaucoup le bassin. Ouvrez les jambes. Et c'est parti, les pieds ensemble. Je monte les genoux. 1. Relâche, inspire. Expire, monte. 2. Relâche, inspire. Expire, monte. 3. Relâche, inspire. Expire, monte. 4. Relâche, inspire. Expire, monte. 5. Relâche, inspire. Expire, monte. 6. Relâche, inspire. Expire, monte. 7. Relâche, inspire. Expire, monte. 8. Inspire, relâche. Souffle, monte. Et la dernière, on monte et on relâche. On relâche nos jambes, on replace les mains sur l'avant. Et ici, les deux bras sur l'avant, on va jouer avec les bras et avec les jambes, comme si on faisait du crawl. Donc, bras, jambes opposées. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, relâche. Tout. Respirez tranquillement. On recommence. Deux bras, deux jambes. On alterne. C'est parti. 1, 2, 3, soulevez votre tête. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, relâche, pause. Relâchez tout, relâchez les fessiers, relâchez tout, bas du dos, tout ça, tout ça. Et une dernière fois, c'est parti. 1, 2, relève la tête. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et tu poses. Relâche complètement. Relâchez. Vous allez placer les mains sous les épaules. Puis poussez sur les mains pour redresser votre dos. Et là, vous ramenez les fessiers sous les talons. Ouvrez les genoux pour laisser passer votre buste. Ici, vous étirez. Si vous ne pouvez pas fléchir vos jambes, vous restez ici dans cette posture, les cuisses perpendiculaires au sol, pour étirer dans votre dos. Quand vous êtes dans cette position-là, vous contractez dans le périnée et vous repoussez le nombril vers la colonne. Et là, on étire en le dos. On peut tout à fait rester en balasana si on peut fléchir nos jambes. Dans ce cas-là, vous relâchez bien votre tête et vous allongez le bas de votre dos en dirigeant la colonne sacrée vers le sol. Inspirez largement. Expirez totalement. Encore une fois, inspirez, soulevez le dos comme pour l'arrondir. Et expirez, laissez le buste aller vers le sol. Reposez vos bras devant, puis revenez en quadrupédie. On va passer maintenant sur le dos pour étirer nos fessiers et aussi le bas du dos et puis les ligaments croisés et puis tout ça, tout ça. Donc ici, je suis sur le dos. Je croise mes deux jambes au-dessus du genou. Je croise les deux jambes.
J'attrape mes deux chevilles avec mes deux mains et j'emmène les talons près des fessiers. Vous allez sentir que ça tire beaucoup, c'est normal. On étire ce que l'on a fait travailler et vous respirez tranquillement. Attrapez vos deux chevilles au niveau des malléoles avec les mains, pas les pieds, hein, les malléoles. Voilà, et vous laissez s'étirer. Ici, si vous avez la jambe droite devant, le fessier droit s'étire et vous le ressentez. Inspirez tranquillement. Expirez totalement en gardant bien le bas du dos dans le sol. Encore. Soufflez bien. Ok. On va décroiser et on va croiser de l'autre côté. Je croise le genou gauche au-dessus du genou droit et j'attrape mes malléoles avec mes deux mains. J'essaye d'emmener les talons, les deux talons, vers les fessiers. Respirez tranquillement. Soulevez votre tête pour allonger dans la nuque. Gardez bien les épaules dans le sol. Relâchez dans les bras. Relâchez dans les épaules. Et ressentez le bas de votre dos dans le sol. Grande respiration profonde. Ok, vous allez décroiser vos deux jambes. Ici, gardez les jambes fléchies et ouvrez vos genoux. N'hésitez pas à placer les coudes sur les genoux et emmenez les genoux vers l'extérieur. Gardez bien le bas du dos dans le sol. Expirez, ramenez vos deux genoux ensemble. Posez le pied gauche au sol. Allongez la jambe droite vers le haut. Poussez dans le talon et placez les deux mains doigts croisés sur le mollet droit. Poussez dans le talon droit. Tournez la jambe vers l'extérieur en rotation externe et fléchissez les bras pour emmener la jambe vers vous. Inspirez. Restez ici en étirant la jambe vers vous pour vraiment étirer dans le mollet qu'on a fait travailler tout à l'heure. Poussez dans le talon et tirez les orteils vers vous. Gardez bien le bas du dos dans le sol. Encore. Ok, fléchissez votre jambe. Posez le pied droit au sol. On va monter cette fois-ci la jambe gauche. Poussez dans le talon le pied gauche et tirez les orteils vers vous. On essaye ici de tendre la jambe. Placez les deux mains à l'arrière du mollet en entrecroisant les doigts. Poussez bien dans le talon de votre pied droit. Le bas du dos reste bien dans le sol. Laissez les épaules tomber. Fléchissez seulement les bras pour emmener la jambe gauche vers vous. Inspirez tranquillement en essayant d'étirer toujours la jambe vers vous. Poussez bien dans le talon à gauche. Étirez bien les orteils vers vous. Bas du dos dans le sol. Puis vous fléchissez la jambe. Vous venez poser le pied au sol, vous allongez vos deux jambes devant vous, relâchez dans le bas du dos, inspirez, emmenez les deux bras en arrière pour vous étirer. Puis expirez, ramenez vos deux bras. On va rouler sur le côté. Et voilà, votre séance se termine. J'espère que vous n'avez pas trop souffert et que tout s'est bien passé pour vous.